Quelqu'un veut-il faire la course avec moi? Il faut que c'est vite, c'est comme ça qu'on gagne une course. Allez, vous dingue, démarre la voiture. Non, je rêve, et puis quoi encore? Je ne crois pas ça. Et les voici, la plus démoniaque équipe de timbrés qui ait jamais participé à cette folle poursuite. Ils concourent pour le titre 3, 2, 1... Et c'est à tout, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour jouer aujourd'hui à Wacky Race ou les Fous du Volant. Alors les Fous du Volant, pour ceux qui n'ont pas connu, c'était un dessin animé en fait qui passait notamment sur Cartoon Network, mais sûrement sur d'autres chaînes dans les années 90. Et donc c'était des courses entre eux où à chaque fois ils se faisaient des crasses pour arriver jusqu'à la tête. Et on suivait en général l'aventure de Double Zéro, c'est-à-dire Satanas et Diabolo justement, d'où le titre du... D'où le titre du jeu. Et voilà, donc là on va avoir un mode arcade, un mode aventure et un mode option. On va voir les options, ce qu'on a comme possibilité. Alors, style de conduite, on a quoi? Ah, j'ai mis les crédits. C'est pas ce que je voulais faire à la base, mais... Voilà, on va recommencer. Hop, option, style de conduite. Donc on a un mode de conduite débutant ou expert. On va laisser en débutant. La langue, on l'a changé, c'est déjà fait. L'affichage vidéo... Ben on va rester comme ça. Par contre, si on peut switcher en 60Hz, ça sera beaucoup mieux. Donc voilà. Comme ça, on aura un jeu qui sera un peu plus réactif. Je vous propose de faire un mode arcade pour commencer une petite course comme ça. Donc on peut jouer jusqu'à 4, comme vous pouvez le voir. Alors il faut sûrement le multitap, hein, parce que sur la Play 2, il n'y avait pas de 4 ports manettes, hein, il n'y en avait que 2. Alors, on peut choisir... refuse la rondelle et saucisson. Pierre de Beaufix. Ah oui, c'est le mec un peu hautain, comment dire, un peu pro-chevalier. On a Malabie les Balabars, donc ça c'est... Malabie les Balabars, en fait, j'ai toujours confondu avec Scooby-Doo. Je sais pas pourquoi, ça me fait toujours penser à lui, le mec qui est en bas, là. Malabie. Al Carbone et sa bande, mais bon, c'est Al Capone, hein, vous aurez compris. Le sergent Grosspawn et le soldat petit pois. On a Pénélope Jolicoeur, qui se refait une beauté. Et on a Max le Rouge, on l'a pas. Professeur Maboulette. Piqué Collégramme de Dingo Limousine. Ah, les frères Tête Dure, ça c'est génial, ça c'est Rock et Gravillon. Et donc le héros, plus ou moins, de la série, donc Satanas et Diabolo. Ceux qui vont tout faire en trichant pour gagner la course et que finalement ne la gagneront jamais. Ouais, je ne me souviens d'épisodes où ils gagnent en tout cas. Ah bah écoutez, on va prendre... on peut pas l'utiliser, donc pour le moment on va prendre... bah pourquoi pas lui, là. Allez. On va faire start. Alors, on va saisir le nom du joueur. Bon, moi c'est facile, ça va aller vite. Cette course sera aussi belle que moi. Voilà. Sélectionnez votre mode de jeu, cher concurrent. Et on a donc plusieurs modes de jeu. On va voir le course simple, les coupes spéciales full et boulant, le mode contre la montre, les options. Alors à la limite, on va faire une petite coupe spéciale. Il y en a une seule à débloquer pour le moment, c'est la coupe spatiale Dingo Jeton. Et donc nous sommes partis. Alors vous remarquerez que c'est un petit peu du cel shading, enfin c'est un peu en mélange entre cartoon, cel shading et graphisme pseudo réaliste, on va dire. Allez, c'est parti. Alors à droite, à 3 gadgets. Donc on va prendre le bouclier pneumatique. Aucun problème. Ah oui, voilà, on peut attribuer ce que l'on veut utiliser suivant les touches. Le pneumatomixile, on va mettre... J'ai plutôt envie d'inverser. Bouclier, on va mettre au triangle, carré pour ça et rond pour les grenades. Et on va confirmer. Et donc nous sommes partis. Voilà, et donc c'est parti. Et chose assez marrante déjà avec notre bolide. Vous remarquerez que c'est notre nez qui bouge, et c'est pas forcément les roues devant. Et donc on peut utiliser nos items si on veut. Donc par exemple, je vais utiliser carré. Et du coup, j'ai pu balancer quelque chose. Apparemment, je balance des pneus.
Ah, par contre, j'ai plus assez de... J'ai plus rien pour le balancer. En fait, il faut que je récupère des pièces pour pouvoir... Voilà, recharger mes options de gadgets. C'est un petit peu différent, hein. Donc là, par exemple, j'ai assez. Je vais pouvoir balancer mon bouclier sur lui. Oh oui, c'est bon, j'ai réussi. Du coup, je prends la tête. Ah, ils ont pris un raccourci. Alors, de souvenir, hein, pour avoir joué il y a longtemps, mais aussi la version de Dreamcast, c'est vraiment, vraiment pas facile. Je suis navré. Alors, c'est pas, ce qui est pas mal aussi, c'est les petits dialogues. Donc là, on va récupérer tous les points, comme ça, ils pourront rien faire. Alors, c'est vraiment particulier, hein. Alors si je fais triangle, voilà, j'ai un bouclier pneumatique, donc je suis intouchable. Voilà, ça dure pas longtemps, mais ça me permet de strater un petit peu sur ce que je veux faire. C'est-à-dire si je veux me défendre, je peux me défendre. Donc là, je vais encore me protéger. Voilà, je récupère. Et je me reprotège à nouveau. Évidemment, pour protéger en continu, il faut qu'à chaque fois, je récupère assez d'items. Alors la personne que vous entendez qui fait les commentaires, je sais plus si c'est vraiment sa voix, mais il me semble que c'est ça. C'est le commentateur en fait qui faisait les voix bah, exactement dans la bande dessinée, enfin la bande dessinée, dans l'animé, dessin animé pardon. Ouais, voilà, on a gagné. C'était assez facile pour le moment, mais vous allez voir que ça se complique un petit peu au fur et à mesure. Alors, de souvenir, ce jeu avait une critique correcte. Hein. Le jeu n'était pas considéré comme mauvais, mais sans être mauvais, il n'était pas non plus exceptionnel. Voilà, il n'était pas très passionnant. Alors, on va garder la même combinaison. Hein. Je ne sais pas s'il y a... Je ne sais pas s'il y a des... Comment dire... Ah, je tapais une pierre tombale. J'ai vu ce que j'allais dire. Et ouais, je suis à fond, hein. Je fais pas spécialement d'erreur. Bon, l'avantage c'est qu'ils sont un petit peu à tête chercheuse, donc du coup, pour les toucher c'est assez facile. Hop, en plus j'ai récupéré un jeton que lui possédait. Et on est 7ème. Hein. On est vraiment pas rapide. Alors ce qui est génial avec lui, c'est quand il parle, c'est que... On dirait qu'il est pas là pour gagner, quoi. Oh, je suis désolé. Excusez-moi. Je ne le referai pas. Alors, ce que j'aimerais reprendre aussi, c'est Grock et Gravillon pour voir les armes. Chaque équipe a sa particularité. Ouais. 8 places, vous vous rendez compte? On est toujours dernier. Allez, 7ème. On va leur balancer des pneus dans la tronche pour le moment. Et rien à faire, un Rock et Gravillon. Je n'arrive pas à les avoir. Et on va finir 6ème, hein, ce qui... Non, c'est bon. Allez, on est 5ème. Ouh, c'est passé juste, on a qu'un petit point avec la 4ème place. Alors ce qui est marrant, c'est que vous voyez, le classement est totalement différent de la première course.
Ce qui fait qu'au classement, au classement actuel, je sais pas s'il va le montrer. Bon, on a encore 10 points. Voilà, donc on est en premier, mais de pas beaucoup. Hein. On peut voir le ralenti aussi, avec le... j'ai oublié la touche déjà, triangle ou... non pas triangle, rond ou carré, je crois que c'est carré. On va conserver cette combinaison, hein, je pense que c'est pas mal. Oh, j'ai fait un bon départ là. Alors là on est sur un paquebot, je ne connais pas le circuit donc c'est un peu compliqué. Oh seigneur, je suis navré. Je vous demande de vous arrêter. Bon, les circuits sont plutôt intéressants dans le sens où ils se ressemblent pas tous, hein, vous l'aurez compris. Que le meilleur gagne. Diantre, fiche, train, sacre bleu. Ça fait penser justement au... je sais plus où j'avais vu ça. Oui, je crois que la vidéo elle s'appelle... Voix de con ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est la série avec Batman, Robin, Superman, etc. On est censé aller où, là? Et ils ont vraiment, ils prennent vraiment une voix de débile complet, quoi. Je crois que c'était... Attention, Robin, nous allons faire les mollets. Regarde là, c'est Wonder Woman, les jumeaux. Allez, on va essayer de l'avoir, lui. Ouais, c'est bon. Non, il est esquivé. Ça va, il y en a un qui l'a touché à ma place. Attention, il y a une grenade. Alors la grenade, je pense que c'est le mec de la mafia qui l'a balancé. On est passé. Eh, on s'est trompé de côté. Alors là, pour remonter ça... le joueur numéro 1, n'est-ce pas? Allez, on va en relancer une. Et il accélère vite, hein, mine de rien. Ouais, on est pas bon. En plus, pour le titre de champion, on risque de le perdre là, c'est dommage. Mais on s'accroche, monsieur, on s'accroche. Alors je pense qu'en utilisant synthèse item, on devrait pouvoir... allez, on va essayer de tous les passer là. Ah bah là oui, on va essayer de donner tout ce qu'on a. Non, on s'est bloqué dans le... ah, elle avait un bouclier. Dommage, dommage, j'ai un bouclier. Oh bah voilà, on termine vraiment dernier. Du coup, je pense qu'on termine même pas second championnat ni premier. Et du coup, au classement... alors, on va essayer de faire la course. On va tenter. Et on va essayer de voir si on gagne quelque chose. Après, je vous montrerai le mode aventure. En tant qu'on connaît la course, ça devrait être plus facile. Ah, j'ai loupé. C'est pas grave. Ils ont récupéré les, du coup les items. En tout cas, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment... on est vraiment au coude à coude. Hein. Alors évidemment, ce jeu n'aura aucun intérêt pour vous si vous connaissez pas la série, parce que voilà, il faut connaître un peu les personnages, l'allusion... c'est un peu du fan game, hein, c'est un jeu à licence. Et pas évident ce passage. Hein. Ah, il a tout pris. Je me suis complètement loupé dans le virage. Et
J'ai hâte de prendre un autre personnage pour voir. Voilà, on est passé. Alors, on va passer par là. J'essaie de pas me bloquer, non, c'est bon. Non, c'est vraiment pas facile de se repérer. Voilà, c'est bon. On dirait la truffe d'un chien. Non, même pas la truffe d'un chien, les animaux comme ça, là, qui ont une longue tronche comme ça. Alors, on a une petite carte, j'en ai pas parlé depuis le début. Ça permet de voir où on en est. Non, d'une pipe en bois. Allez. Voilà, la musique elle était c'est complètement arrêtée. Et voilà, bon là ça a été facile du coup. Ah, j'ai pas compris la fin. Je pourrais aller trop vite, plus vite, mais je voudrais prendre garde au. Ah, 19, 10, 10. Il y en a deux qui ont marqué aucun point. Bah, c'est Diabolo. Hein. Enfin, c'est Thanos, pardon. Et les voici, la plus démoniaque équipe de timbrés qui ait jamais participé à cette folle poursuite. Ils concourent pour le titre de champion du monde des fous du volant. Et encore une course ? 3, 2, 1, partez ! Alors, je sais plus comment faire pour. Enfin, je sais pas du tout comment faire pour. Pour accélérer plus vite. Pour faire un super départ. J'aime bien au début, c'est que c'est n'importe quoi. Ah. Bon, les collisions sont un petit peu foirées. Mais bon, ça va, elles sont pas trop impactantes non plus, faut pas exagérer. Ah, Pénélope. On a pu passer à côté. Ah, il passe par là. Donc je pense qu'il doit pas mal de... Ah, il y a deux raccourcis. Encore faut-il les trouver. Bon, ça a l'air d'être marqué quand même sur le... Sur la carte, hein, si vous regardez bien. Ah, j'ai pris aucun item. Ils sont en train de prendre tous les points. On m'a piqué le point d'ailleurs. J'arrive. Allez, là on est bien placé. Pour l'instant, ça se passe pas mal. Donc le jeu est sorti, je crois, sur Dreamcast aussi. Je me demande s'il est passé sur Play, hein. Il me semble. Après, le jeu a pas trop vieilli au niveau des graphismes, puisque comme vous savez, le cel shading, c'est un peu intemporel. C'est un peu comme un Wind Waker. Hein. Et ben voilà, donc on a encore gagné. Donc on va voir le classement, 28 points. Oula, il met à quoi une course hein. On est à peine déjà à la quatrième.
Alors on va voir si j'espère que c'est la dernière parce que je voudrais montrer le mode aventure. Écho les grammes. Mon dieu l'humour. Alors. Ah, il y avait un raccourci à droite. Ouais, si on sort un petit peu la trajectoire, ça n'impacte pas beaucoup. Je balance tout ce que j'ai. Ah, purée, c'est horrible. Ah, ça inverse la direction. Encore une fois, la course est très serrée. Ah bah plus maintenant, hein. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même des flèches qui nous indiquent à chaque fois où aller. Dernier tour de piste. Par contre, je me demande comment je vais faire pour remonter tout ça. Bon, on a pas forcément gagné du temps. Mais on n'a pas perdu. Et le coucou casse-cou gagne la course. Nous approchons de la fin du parcours. À la seconde place, Intercon et sa bande. Oh, je vais perdre, et voilà, pas de points. Comme c'est gênant. Alors, est-ce qu'on va être obligé de la racheter? Devrais-vous battre un peu plus la prochaine fois? Bon, on va la retenter. Tiens, de voir un peu ce qui se passe quand on finit une coupe. Ça m'a presque donné envie de regarder le dessin animé encore une fois. Et un autre dépassement. Ah, si comme si vous étiez gamin, vous avez la chance d'avoir Cartoon Network, franchement. C'est trop bien. Voilà, on récupère le leadership de la course. Oh, les musiques sont plutôt entraînantes. Après, elles sont très classiques. Vous passez en tête, allez-y, continuez. Dernier tour de piste. Voilà, j'en ai tellement. J'en ai 10. Je sais pas ce que ça fait quand on a 10 pièces. Pierre de Bonfix court au-devant de gros ennuis. À quelques kilomètres de la ligne d'arrivée, les concurrents donnent tout ce qu'ils ont dans le ventre. Nous approchons de la fin du parcours. Et revoilà nos fous du volant. Bon, voilà, ça a été vraiment plus facile. Alors, du coup, classement, bon, 37 points. Et voilà, donc on a gagné. On pensait aussi couper celle du circuit inverse, d'accord. Alors, bon, on a réussi cette coupe, donc du coup, on a débloqué une nouvelle. On va faire retour. On va faire quitter. Donc on va faire oui. Voilà, et on va venir en mode aventure.
C'est parti. On va garder la difficulté normale. Alors, qui allons-nous prendre? Bah moi je vous propose de faire le héros du jeu, mais je crois qu'il n'est pas accessible. Eh non, on peut utiliser pour le moment. On n'a pas Rocket Gravillon? Oh, il n'y a pas Rocket Gravillon, c'est dommage. Ah si, allez. Regardez-moi, ils sont pas beaux. Il dit qu'il est content. Allez, confirmé, on va faire fin. Et donc, comme vous pouvez voir, on est dans un monde ouvert. Voilà, et on a quelques trucs à faire. Donc, par exemple, les pique-neigeux, je vais y arriver. Le défi des rois de la piste, on va faire ça. Remporte une étoile d'or en terminant premier une course. Peux-tu aller jusqu'au bout du défi en brûlant toutes les étoiles? Et ben allez, c'est parti. On va faire ça. Donc c'est un mode un peu comme la Crash Team Racing, hein, c'est-à-dire qu'on peut... on débloque au fur et à mesure des niveaux, puis des mondes. Alors, le granitomissile, le clavier déroutant, le chromagno turbopropulseur... Bon, on va garder ça en missile, ça en turbopropulseur, et ça... Non, et ça en... Allez, next. C'est parti. 3, 2, 1, partez. Alors il a fait un meilleur départ devant. Aïe, c'est comment dire. Il a fait un meilleur départ devant. Alors vous avez vu qu'au départ ils avaient tous une stat différente. Hein. Par exemple, eux, ils ont une stat moyenne partout, c'est-à-dire qu'ils sont moyens en accélération, vitesse de pointe. Et en maniabilité, je crois. Donc voilà, ça devrait pas être compliqué. Allez, on va faire carré. On a lancé un truc, mais je sais pas ce que ça a fait. Ah oui, on a lancé du gravier, voilà, c'est ça qui s'est passé. Passe par en dessous, je viens de comprendre. Voilà. Aïe. Bon, vous voyez, quand on s'est touché, c'est pas trop pénalisant. Hein. On n'est pas non plus en train de perdre. Et oui, il a raison. Vous êtes en première position. La dingue en limousine gagne une place. Bon, pour l'instant, on balance du gravier. On permet de se défendre un peu. Je sais pas si ça sert à grand chose, mais dans le doute. Bon, en tout cas, pour l'instant, on est en tête. Waouh! Alors, je sais pas jusqu'à combien de points on peut aller. Pour l'instant, on était jusqu'à 10 tout à l'heure, j'ai pas fait gaffe. Ah ben voilà, on a enfin compris ce qu'il disait pour une fois. Une piste individuelle pour concourir. Alors du coup, on a une petite vie d'étoile d'or. On va faire triangle, on va ressortir là. Et on va voir si on peut aller autre part. Ah
On va faire le tour. Enfin, c'est marrant, c'est que... Je sais pas comment on freine en fait. Je crois qu'on freine même pas en fait dans ce jeu. Ouais, j'aimerais savoir comment on fait pour freiner. Ah, on a une vue intérieure, regardez. Alors on va pas y aller. Oula, en vue intérieure c'est quand même particulier. Alors est-ce qu'on peut aller là-bas par exemple? Loufogville, bah ouais, c'est parti, on va y aller. Choisissez une piste individuelle pour concourir. Allez, c'est parti pour coup de poisson. Bah, c'est la spéciale du porc hein, qu'on a déjà faite. Et les voici, la plus démoniaque équipe de timbrés qui ait jamais participé à cette folle poursuite. Ils concourent pour le titre de champion du monde. 3, 2, 1, partez! Non, j'ai pas réussi à faire mon départ encore. Et les fous du volant sont partis! Oula, je me suis complètement bloqué. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors là, j'ai pas eu tellement de temps que je ne sais même pas comment jouer pour revenir. Bon, on va utiliser le boost. Franchement, j'adore ce personnage. C'est débile complet, mais j'aime bien. Encore une fois, la course est très serrée. On va voir si on peut remonter. Ah, on s'est bloqué. Dommage. Ah, il tourne vraiment mal par contre, hein, par rapport au... Deuxième tour de piste. Ah, il est quand même vraiment loin. Je pense que ça peut être faisable hein, de remonter un peu. Mais ça va pas être facile. Encore une fois, la course est très serrée. Allez, comme des bourrins. Vous devez vous remettre dans la course. Ah bah je veux bien, hein, mais encore faut-il que je puisse. Oh, pas mal. Comment ça, je me suis fait avoir? Oh, j'ai pu aller par-dessus. Oh, regardez-moi ça, oh, on va tomber. Aïe. Ah, c'est dommage, on les avait remontés. Nos fous du volant n'arrêtent pas de changer de position. C'est comme si les autres voitures étaient paralysées. Ah bah là, c'est sûr, j'ai perdu. Dommage, vous n'êtes plus en tête. Le vainqueur et le véhicule... Ah ouais, ouais, là par exemple, j'ai un problème. Je sais pas quoi faire. Ah d'accord, c'est L1 pour faire marche arrière. Bon, bah au moins on le saura pour la prochaine. Bon bah là, on a complètement loupé. On va voir le ralenti, ce qu'on peut faire. Bah voilà, on peut se mettre sur la vue que l'on souhaite. On peut changer une caméra vue de face, on peut avoir une vue latérale, vue aérienne, vue à rapprocher, vue standard, vue éloignée et caméra fixe. Caméra fixe c'est pas mal. Vous voyez à quel point c'est n'importe quoi. Le vainqueur est le véhicule numéro 9 piloté par Pierre de Beaufix. Waouh, dommage, lancez-vous à nouveau. Je suis sûr que vous aurez plus de chance la prochaine fois. Tout à fait.
Ils sont tous tristes, c'est dommage. Choisissez une piste individuelle pour concourir. Alors, on va faire retour. On va voir s'il y a d'autres choses à aller voir, parce que l'étoile doit bien nous servir à quelque chose. Bon, où est-ce qu'elle veut nous emmener, tiens? Ah, elle nous amène directement à une autre course. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Vous avez compris à peu près le but du jeu, de toute façon ça reste une course. Alors, la marche arrière sur L1, j'ai jamais vu ça. Mais bon, c'est plutôt marrant. Donc c'est un petit peu un Crash Team Racing en moins bien, hein, niveau maniement, etc. Mais après, pourquoi pas, hein, je veux dire, ça reste pas un mauvais jeu. Bon, les collisions, c'est pas trop ça. C'est le seul défaut que j'aurais à donner à ce jeu. Et les courses un peu brouillonnent quand même. Il faut heureusement ce qui se passe. Bon, c'est bien parce que je peux aller un peu partout. Il y a un truc caché là. Non, il n'y a rien. Allez, écoute, on va s'arrêter là-dessus. C'était donc Wacky Race ou Satanas et Diabolo. On se retrouve pour une vidéo. Et je vous dis ciao, à la prochaine.